my title at the end is a bit shorter, and I skipped the Byzantine. Not because I didn't look at the Byzantine literature, but because unfortunately there is very poor evidence for the topic. But they were mostly the same. Yeah, very often they just repeat, reiterate some information, but nothing more rich than that. So I would like to thank first in English Irini, Dacia, and Ivan Tatifili, Levan Kikinishvili, and Levan Gordesian for the invitation. I'm very happy to be here to speak on Caucasus. It's not my main topic and field of research, but I'm interested mostly in animals, and so that's why I've chosen this title. Animals, the relation between animals, the space, so the territory, and the man, and on the other side, the relation between science and culture. And I will address both of these topics in my short short talk. And now I will proceed in French, because I've been invited also to speak in French, but I'm open to any question in English or German, at my best. Le Caucase est une région, un espace de richesse faunique absolument extraordinaire, et aujourd'hui c'est le lieu d'une réserve naturelle qui est richissime. Je ne vais pas faire l'histoire de cette faune, mais je vais m'intéresser à ce que les Grecs percevaient et décrivaient de cette faune. Il y a donc un décalage entre la faune réelle, on va dire les animaux vrais, et la faune culturelle, la faune telle qu'elle est présentée dans la documentation. Mais peut-être pas si grande. Alors il y a, en ce qui concerne la faune caucasienne, un livre absolument extraordinaire qui a été écrit par Vera Chagin, The Mammals of the Caucasus. C'est déjà 750 pages simplement sur les mammifères, mais avec des informations extrêmement précieuses. Ma question, c'est le regard grec, c'est-à-dire à la fois la nature des informations et la pertinence des informations de type zoologique, et deuxièmement, la question de savoir s'il y a une sorte de profil faunique typique du Caucase. Est-ce qu'il y a ce qu'on pourrait appeler un zoogramme, comme on parle d'ethnogramme, pour les peuples, qui ont un caractère, qui trouve une certaine unité à travers les textes. Le Caucase n'est pas une région. Le Caucase, c'est une montagne, vous le savez, mais c'est une montagne qui commande tout un territoire dans lequel il y a des peuples. Et généralement, même si on trouve le terme de Caucase, surtout chez les géographes, c'est à travers le nom des peuples, des hommes, que l'on va avoir accès aux réalités de terrain, à l'anthropologie et aussi à la zoologie. Et c'est pourquoi j'ai choisi, c'est le document 1, ce under number 1, j'ai retenu quelques ethnonymes qui me servent de porte d'entrée pour les animaux, et ces ethnonymes, je les ai sélectionnés et recherchés à travers le thésaurus de la langue grecque. Je n'ai pas consulté les articles du Caucasus Antiquus, mais j'imagine qu'il y a sur la faune ou sur les animaux un certain nombre d'articles que je me réjouis de lire quand ce sera traduit naturellement. Le Caucase, c'est, vous le savez, ce lieu qui, pour Strabon, était le lieu qui avait été choisi pour Prométhée, précisément parce que les Grecs ne pouvaient pas imaginer un au-delà. Donc une borne du monde, comme les colonnes d'Hercule, et comme les colonnes d'Hercule, cette borne du monde, elle est mouvante. C'est un peu le clin d'œil de ma première diapositive avec un Caucase mouvant qui se déplace. Donc il y a une géographie mobile, y compris pour les peuples. On a vu ce matin la localisation des Amazones, qui a une extension considérable selon les auteurs. La mention des Éthiopiens de l'intérieur, qui ne sont pas les Éthiopiens d'Éthiopie. Il y a des correspondances entre lieux qui sont de véritables sympathies
et qui forme un arc qui conjoigne par exemple l'Inde et l'Éthiopie. Et on va le voir aussi, le Caucase et en particulier l'Inde. Même s'il y a des peuples dans des situations différentes, en Colchide par exemple, eh bien, il y a un lien particulier avec l'Égypte, puisque comme vous le savez, pour Hérodote, les Colches sont d'anciens Égyptiens, parce qu'ils sont noirs et qu'ils pratiquent la circoncision. Alors il n'y a pas de zoogéographie organisée en Grèce. Vous allez voir que la participation dans la communication d'Aristote est relativement modeste. On s'attend à ce qu'il y ait des toponymes, mais ces toponymes interviennent peu en contexte zoologique. Donc très souvent, nous avons des cas d'animaux qu'on n'a pas de possibilité de localiser. Il y a également, je crois, le document 2, petite notation sur la grande production de lait des bovins. On peut distinguer deux types de faune, comme le faisaient les Grecs. Une faune commune et une faune particulière, endémique, propre à un peuple. Et c'est évidemment la faune endémique qui à la fois m'intéresse et intéresse davantage les Grecs. C'est-à-dire la faune qui se distingue par une différence nette et qui va frapper le regard comme une étrangeté, ainsi que on a tous l'expérience, lorsqu'on se promène dans un pays étranger, on est frappé par les différences. C'est normal. Pour fixer cette perspective, je vous ai indiqué ici les animaux principalement que je vais aborder dans ce petit pèlerinage, le chien, le tigre, le faisan et les oiseaux de la Caspienne. Mais pour fixer cette perspective, deux textes, qui sont des textes 3, les textes 4 et les textes 5, ce qui fait deux textes, comme vous avez pu vous en rendre. Donc, le cheval. Le cheval est un animal commun, mais un animal commun qui, comme le chien, est véritablement exceptionnellement diversifié dans le regard de tous, par son importance culturelle. Surtout dans un pays où il y a des hippémoïdes, où il y a des hippophages, où il y a des hémiocoïdes, c'est-à-dire beaucoup de peuples qui tirent leur nom d'une relation particulière au cheval. Eh bien, dans le premier texte, Hélien nous dit que les hommes et les animaux, et il prend l'exemple des chevaux et des chiens, ont une sympathie naturelle. Les uns sont comme les autres. C'est ce que dit aussi le texte de Strabon, « Both the people and the others are the passing difference of Antioch. » Il s'agit des Albaniens, d'Albanie, du Caucase, qui donc partagent les mêmes caractéristiques. Les animaux ressemblent à leurs maîtres, ou les maîtres ressemblent à leurs animaux, parce qu'il y a une imprégnation écologique qui les détermine communément. Dans un passage extrait d'un dictionnaire, d'une encyclopédie byzantine du Xe siècle, on trouve une description de quelques chevaux dont on pourrait se dire qu'ils correspondent à des ethnotypes. Les Arméniens, grands, ayant un dos qui ressemble à celui de bœuf, des os extrêmement charnus, etc. Mais vous voyez que ces trois peuples du Caucase, Arméniens, Ibériens, et le troisième, c'est sauromates, eh bien, sont très très différents. Donc déjà, il y a une diversité de peuples dans un espace qu'on pourrait croire l'objet d'une globalisation rapide. Le point de départ que l'on prend généralement pour aborder les peuples non grecs, c'est celui de sauvagerie. On s'attend à trouver des descriptions qui renforcent le préjugé d'une sauvagerie. Alors ça peut être un point de débat, mais de la même façon que les barbares ne sont pas des barbares, que les Grecs sont extrêmement respectueux et attentifs du grand nombre de différences qu'il y a entre ces barbares, et il n'y a rien qu'ils admirent plus que les Égyptiens qui sont des barbares, et bien de la même façon pour les animaux, ça ne peut suffire à caractériser une faune. Alors, je vais
par paralypse ou prétérition, signaler quelques animaux dont je ne traiterai pas, mais qui font partie intégrante de la faune du Caucase. Il s'agit de l'aigle, sur lequel il y a eu déjà des communications, du bélier, le Phrixos, du bison, Bonassos, pour lequel je vous ai laissé un texte, le document 7, parce que le bison est très probablement un animal qui se trouvait dans le Caucase. Il a une très grande extension et il devait être au moins jusqu'au Caucase selon les spécialistes. Les cerfs ainsi que le tragelaphos, qui est plutôt aujourd'hui, et même pour les Grecs, une sorte de symbole de l'animal imaginaire et hybride. Alors qu'il devait désigner probablement une espèce de cerf, pas le renne, l'option a été écartée, qui se trouvait dans le Caucase. Des taureaux qui n'ont pas de cornes, et ça, on sait qu'il en existe, et qu'il existe des races de taureaux qui n'ont pas de cornes, qui ont toujours semblé complètement fabuleux, dans un rapport d'Hérodote, d'Aristote, pardon, mais qui existaient aussi, mais dont l'extension aussi n'est pas très claire, il s'agit de Scythie. Avec la Scythie, plus qu'avec avec les autres toponymes, il est difficile de savoir où ça commence et où ça finit. Et enfin, les chameaux, dont il est question dans quelques textes, mais sans précision. Alors maintenant, ce que véritablement je vais aborder, si ça passe, voilà, je commence par le chien. Chien d'Albanie, ou chien berger de Géorgie, un texte de Pline, que vous avez, c'est le document, alors le document 8 est sur le Tragelaf, et le document 9 est sur le chien d'Albanie. Un texte de Pline traite du chien d'Albanie à travers une anecdote qui est rapportée à Alexandre. Alexandre aurait reçu d'un roi, c'est pour Pline le roi des Albaniens, d'Albanie, un chien qui est d'une taille impressionnante et qui rivalise avec les lions, qui arrive à battre au corps à corps un lion. Donc un chien exceptionnel. Ce récit, cette anecdote, va circuler dans la littérature en se déportant en Inde, à moins qu'elle ne soit originellement indienne et se soit déportée en Caspienne. Mais c'est déjà un premier signe d'une articulation d'un arc caucaso-indien. L'influence d'Hérodote pour fixer la locution chien indien pour parler de ces molosses, de ces bergers géorgiens ou albaniens, a dû être assez importante, et l'on parle aussi, dans le même contexte, de chien hyrcanien, donc plutôt au sud de la mer Caspienne. Ce sont des ersatz de lion, comme on le voit dans le document 12, qui est un texte d'origine incertaine. Deuxième animal, le tigre. Alors le tigre, en fait, désigne un certain nombre d'animaux, peut-être dans l'Antiquité, qui ne sont pas tous des tigres. Vous avez un texte de Varron qui, dans le De Lingua Latina, considère le tigre comme, c'est le texte 13, comme un léon. Hein, vous l'avez mis ici, un léon. Varius, c'est-à-dire un lion varié, au pelage varié. Alors, l'approximation, ou en tout cas l'hésitation, parfois l'amalgame, est une des plus attachantes et fécondes infirmités de la raison humaine. Elle n'est pas seulement grecque, mais elle permet de faire circuler des motifs et des images, et la mythologie, évidemment, en est une illustration parfaite. Les Athéniens ont vu des tigres à partir du IVe siècle. Séleucos Ier envoie un tigre à Athènes, il se promène, et on sait que les tigres ont été très présents, en particulier comme objet de démonstration. On leur faisait faire des tours, lécher la main du dresseur, faire des acrobaties. Ce qui est intéressant avec le tigre, c'est que les tigres qui ont été importés en Grèce étaient plutôt des tigres indiens. La documentation semble indiquer. En revanche, les tigres qui ont fait leur apparition à Rome étaient plutôt des tigres d'Hyrcanie ou des tigres liés au Caucase. Ce sont des espèces complètement différentes. Le tigre d'Hyrcanie vient d'une souche qui est chinoise
et il est en, et c'est le père de la tigre de Sibérie, hein, qui sont les plus grands tigres de tous les tigres. Donc il y a un approvisionnement différencié, puisque, en particulier avec lequel ils partent, l'accès au Caucase s'est beaucoup intensifié, naturellement, et c'est une source d'information considérable que les campagnes militaires, vous le savez. Il y a une histoire qui court à propos du tigre, et qui est le comportement des chasseurs. Et des chasseurs, comme vous le voyez, qui se trouvent chassés. Alors, en Méditerranée, le tigre, comment fait-on? On prend les petits, parce que les petits, ça amuse beaucoup les rois. C'est ce qu'on trouve chez Cléon. Et ces petits, on les emporte, la tigresse se précipite pour les sauver, et il y a un truc qui consiste à lâcher un petit pour qu'elle s'arrête, le ramène dans son aire, puis reviennent courir après, et ainsi on gagne du temps pour enlever les petits. Cette version se transforme en une autre version où on pose un miroir. Un miroir, et on fait un miroir à la tigresse qui, regarde, croit se voir en miniature dans le miroir, et donc reste figée sur ce miroir, croyant qu'elle a son petit, et ensuite on poursuit. C'est ce que l'on trouve dans le texte de l'Hexaméron d'Ambroise, le document 15. D'autres animaux sauvages, nombreux, le lynx, qui est attesté, le lynx du Caucase, qui fait partie des animaux qui apportent à Orphée des présents, et il apporte le cristal du sommet du Caucase. Là, le léopard, il y a un texte qui raconte la chasse au léopard, et cette chasse au léopard est assez étrange, parce que c'est un poison que l'on trouve en Arménie, et dont on enduit une proie qui va être attaquée par le léopard, mais dès qu'il a mangé cette proie enduite d'aconite, puisque c'est la plante qu'on appelle un tupanthère, eh bien, il va avoir une envie d'excrément humain. On ne peut comprendre cette histoire qu'en lisant rien, on dit que l'excrément humain est un antidote contre l'aconite. Et donc, le sachant, le léopard va chercher des excréments humains, et la ruse consiste à suspendre des excréments humains hors d'atteinte du léopard pour l'épuiser et le capturer ensuite. Alors, d'autres animaux sont évoqués, le lion, le loup, l'ours. Je passe rapidement à, évidemment, une vedette de la faune locale, le faisan, Fascalus ornis, qui est présent très largement dans la littérature, et donc on sait qu'au IVe siècle, le père d'Ambroside, l'orateur, avait fait un véritable élevage. C'est attesté par un vers d'Aristophane, et ce Léagoras, le père d'Ambroside, montre qu'il y avait des faisans qui étaient importés assez régulièrement et deviennent pratiquement courants à l'époque romaine. Certaines informations d'Aristote ont pu être discutées, en particulier le fait qu'il se roule dans l'herbe pour chasser les parasites et qu'il dépose, alors je vous ai mis une femelle ici, c'est pour voir la différence, parce qu'il s'agit d'animaux qui, bon, le faisan était bien connu, mais par la suite, les oiseaux que j'ai présentés dans l'avant-dernière diapositive, eux sont extrêmement difficiles à discriminer. Et des œufs dont Aristote nous dit qu'ils sont tachetés, alors que probablement ils ne le sont pas. Mais il y a des récits de chasseurs grégoriens, de chasseurs géorgiens du XXe siècle, disant qu'ils ont trouvé des œufs de faisan qui effectivement étaient tablés. Autrement dit, l'information que l'on pourrait croire fantaisiste par confusion avec les œufs de caille, par exemple, d'Aristote, eh bien, s'avère juste. Et d'autres informations encore. Voilà. Donc, je passe maintenant à un très court dossier avant de finir, qui est le dossier de trois oiseaux de la mer Caspienne, présentés par Élien, qui semblent s'inspirer, et vous les avez dans la suite avec les noms, trois oiseaux de la mer Caspienne qui posent des problèmes d'identification. Selon Arnaud, qui a écrit un lexique des oiseaux de la Grèce, le premier oiseau
que décrit Élien pourrait être un de ces quatre candidats. Alors ce sont tous des fascialidés, et ce sont tous des oiseaux qui, dans un contexte naturel, sont assez difficiles à observer, assez fuyants, comme la plupart des animaux sauvages, et il nous dit qu'il est de la taille d'un grand, d'une grande oie, de la taille, d'un grand coq, pardon, de la taille d'un grand coq, qu'il a un plumage chamarré et multicolore, qu'il vole renversé sur le dos, ce qu'à ma connaissance, seul le corbeau réalise couramment, et qu'il pousse des cris de chiot. Donc ce premier oiseau a été identifié à une sorte de mélange de tout ça. Le deuxième a la taille d'une oie, une tête plate, de petites et longues pattes, vous l'avez dans les sangliers. Il a le dos pourpré, le ventre écarlate, une tête et un cou blanc, et son cri est celui de la chèvre. Voilà, l'oiseau chèvre, et c'est le deuxième oiseau, on pense que c'est un tragopan ou un tétraugalus. Mais aucun des deux, précisément, puisqu'il conjoint des caractéristiques de l'un et de l'autre. Le troisième a une taille, à la taille d'un noix, des pattes de grue, un dos écarlate, ponctué d'orange, et il a une tête fine et longue, un bec noir, et son cri est celui de la grenouille. Donc étonnamment, ce sont des oiseaux anonymes qui sont identifiés à travers leur cri, assimilés à un cri connu, mais pour lesquels il faut, pour être indulgent à l'égard des liens, se souvenir que ce n'est pas facile de les distinguer. Donc, dernier mirabilia, quelques animaux qui parcourent la littérature, mais de manière assez forte et récurrente, des rats qui envahissent du côté de la Caspienne aussi, qui est chez les Arméniens. C'est une véritable plaie, dit Élien. Et il s'agit de Rattus ratus, le rat noir, comme tous les rats, il vient de Chine et d'Orient. Enfin, le Rattus ratus vient de Chine, mais les autres ratus viennent globalement de l'Orient. Et la taille qu'il donne, gros comme une mangouste, pour ces rats qui envahissent les Arméniens et qui les obligent à laisser les rapaces libres pour pouvoir éliminer cette faune, eh bien, sa taille est assez déroutante. Mais on a trouvé à Londres des rats qui mesuraient jusqu'à 1,20 m et qui pesaient 11 kg. Donc, ce n'est pas tout à fait absurde. Je vous ai mis également, pour le plaisir, Prometheomus Chapochnikovi, de Chapochnikov, Christophoros Chapochnikov, qui est un grand savant russe et qui est à l'origine de la réserve naturelle de Géorgie. Autre animal, des poissons qui sont empoisonnés, qui tombent d'une chute d'Arménie et dont on fait un poison pour lutter contre les bêtes sauvages et qui est récupéré pour surtout les prédateurs, avec une préparation du poison extrêmement fine et lorsque. Enfin, vous pourrez lire la description en détail. C'est sans doute en rapport avec le poison scythe et la tradition médéenne des poisons, puisque l'on dit que le Caucase est célèbre pour le pouvoir mortel de ses herbes, et c'est Claudien qui, dans un texte, l'associe. Enfin, les abeilles, des abeilles amères. Quel type d'abeilles cela peut être? Il y a plusieurs espèces d'abeilles, mais des abeilles en particulier Apis mellifera caucasia, mais vous avez la Caucasia Gorbatchev, qui a été, alors, c'est pas le Gorbatchev que vous connaissez, c'est dans les années 20. Il y a de nombreuses espèces d'abeilles, mais ce que raconte Xénophon dans la Navase, c'est que le miel qu'elle donne est particulièrement amer, et non seulement il est amer, il donne des nausées, il fait vomir, et ces soldats vont avoir des problèmes particulièrement importants à cause de ces abeilles du Caucase. Je conclue. Donc, ce dossier trop rapidement parcouru, où vous voyez qu'il y a un certain nombre de mirabilia qui focalisent l'attention. Ma première remarque est que donc la faune, dans la littérature, est constituée d'animaux vrais et d'animaux culturels. Et souvent, ce sont à peu près les mêmes. Il faut les aborder, il faut aborder les rapports des anciens et des historiens comme étant des indices d'une observation effective et qui aboutissent à des présentations, des descriptions parfois fines, parfois juste des mentions,
qui ne construisent pas, comme on voudrait le croire, des stéréotypes, mais qui sont relativement variés. Il y a beaucoup moins d'unité dans la faune du Caucase à travers cette récolte que j'ai faite des informations que dans la faune libyenne, par exemple, ou que dans la faune indienne, même si elle y est un peu liée. Apparemment marquée par la sauvagerie, qui est induite par l'éloignement et le relief du Caucase, par le pouvoir des femmes, on a vu qu'elles entourent toute cette région où les Amazones sont situées de façon à nous faire peur. Également, ici, vous le voyez, un texte de Ptolémée qui dit que la Colchide a rapport avec le cancer et avec la lune. C'est ce qui fait que les femmes sont puissantes et viriles et que les hommes sont soumis et faibles. Je ne sais pas ce qu'il faut en tirer. Le territoire, humainement et zoologiquement, n'est pas stéréotypé, même si on inclut les animaux que j'ai mis de côté au début de cette communication. Il y a une richesse documentaire impressionnante, mais essentiellement antique, et le Caucase, et bien sûr il y a une grande documentation perdue, à quel continent, d'après ce qu'il habite, et on pourrait réfléchir de la même manière avec les ethnonymes et les peuples, mais en se plaçant du point de vue des animaux, à quel continent semble appartenir le Caucase, autrefois nommé la résidence de Boré, Coité Boréos, limite de l'Europe selon Hérodote, qui est aussi, comme vous le voyez, la partie la plus éloignée, la plus septentrionale de l'Inde. Eh bien, pour les anciens, clairement, l'espace est marqué par une faune orientale, beaucoup plus que nordique, comme on pourrait s'y attendre. Elle présente des traits de continuité avec l'Inde, et cette continuité explique certains déplacements imaginaires ou certains amalgames entre l'Inde et la Transcaucasie, parfois entre l'Albanie et la Mauritanie, et, comme on en trouve souvent, entre l'Inde et l'Éthiopie, et on a vu que les Colches sont aussi liées à la région africaine, qui s'échangent leurs animaux, qui s'échangent leurs caractères. Il faut dire que le Caucase lui-même change de nature, se déplace, devient un lieu plus familier, pour lequel, surtout à partir de la guerre de Trilate et de 65 de l'expédition de Pompée, devient extrêmement bien documenté, en particulier par Strabo. C'était particulièrement complexe d'essayer de formuler de manière synthétique le résultat de ce parcours, mais surtout, ce qui m'a semblé particulièrement intéressant, c'est l'absence de schématisme, l'absence de réduction, la richesse des informations descriptives qu'on peut trouver et qui doivent nous dissuader d'aborder la littérature sous l'angle avec l'idée que ces peuples avaient des préjugés et l'habitude d'une projection de fantasmes ou d'idées toutes faites. Je vous remercie.